Alors, on est à Tupuai pour le concours annuel d'Orero des îles australes. Et donc, je suis avec deux enfants qui vont participer à ce concours. Donc, tous les deux. Voilà. Et est-ce que vous avez un petit peu peur? Oui, j'ai un peu peur. Madame, monsieur, les ministres. Et toi? Ouais. Beaucoup. Alors à présent, vous allez pouvoir admirer les jeunes élèves à un autre pupé de SMSJ. Allez, à toi. C'est compliqué la préparation? Non, pas du tout. Comme ils sont un peu pas à l'aise hein, à cause du monde, alors pas évident. Hein. Il faut toujours vérifier, tu vois. Parce que j'ai peur de le faire mal aussi, parce qu'avec la corde, avec la chaleur, c'est pas évident. Pas trop serré. Alors là, on est en pleine préparation. Hein. Et ce matin, vous aviez répété avec moi l'orero hein, oui. Sur la plage. Et tu crois que ça t'a aidé? Oui. Pourquoi c'est important pour toi? Parce que sinon pour les enfants à venir, il y aurait plus beaucoup de poissons. À présent, nous allons appeler le prochain candidat. Les prochains candidats, Tutaki et Bayurinaki, qui sont des élèves venus de Rapa et qui viennent nous délivrer le message suivant. Que le Rahui est la meilleure décision que le peuple puisse prendre. Moi, il a koto, à Kaliki Moi, c'est à Roma, qui était tout patient. Merci les parents d'être